bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Floki Unu. Alors, nous allons parler aussi d'un autre même coin qu'on appelle Simon 4. Il y a un airdrop qui est lancé sur ce token-là. C'est de ça que nous allons parler dans cette capsule. Nous parlerons aussi de Dubaï. Dubaï aussi, un salarié vient de recevoir une partie de son salaire en crypto-monnaie. Alors, voilà la capsule du jour. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien gâter des prochaines vidéos. Et n'oublions pas toujours, nous parlons toujours de notre partenaire Quenex avant d'entamer toujours la vidéo. C'est une plateforme assez intuitive qui permet à l'utilisateur de la crypto-monnaie d'interagir avec plusieurs plateformes deux en un. Voilà, car vous avez la plateforme centralisée qui vous offre une expérience utilisateur assez intuitive. Vous pouvez y faire du trading spot du futur. Vous pouvez faire aussi du staking. Vous avez aussi des produits comme le Lotto Invest. Sans oublier aussi que vous avez accès à plus de 1000 crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez spéculer un tant soit peu pour tirer profit du marché des crypto-monnaies. Alors, c'est une plateforme qui présente plusieurs autres produits tels que Coinex Wallet, qui est la partie décentralisée de cette plateforme. Elle vous permet d'interagir avec plus d'un million de tokens sur son interface. Elle est très, 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 très intéressante en tant que plateforme assez utilitaire. Une plateforme qui permet de faire aussi l'interopérabilité entre blockchains. Cela se fait grâce au produit qu'on appelle Coinex Smart Chain. Sans oublier aussi que cette plateforme, pour garantir les fonds des utilisateurs, permet d'agir avec la preuve de réserve qui est l'assurance qui donne vraiment plein pouvoir aux différents utilisateurs sur leurs fonds et l'assurance que leurs fonds est en sécurité. Vous êtes invité à aller faire un tour sur Coinex. Pour ceux qui n'ont pas de lien, alors le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Après maintenant notre partenaire Coinex, on nous attend encore maintenant la vidéo du jour, mais nous allons partir alors pour voir ce qui se passe exactement sur ce airdrop là. Nous allons partir voir les différentes conditions à remplir pour ce airdrop là. Nous sommes sur officiel de Floki. Voilà ce qui est dit. Binance soutiendra le largage aérien de Simon 4 aux détenteurs de Floki. Voilà, la plus grande bourse de crypto-monnaie prendra en charge le largage de Simon 4. Donc, voici un peu les détails. Voilà ici. Donc, quelles sont les conditions pour participer à ce airdrop qui sera lancé sur Binance? Alors, voici les différentes conditions. Voici les termes et les conditions pour se qualifier pour le airdrop Simon 4. Les utilisateurs doivent détenir au moins 400 jetons de Floki sur Binance pour être éligibles au largage aérien 4. Ensuite, on nous donne l'information ici que il faut avoir 400 000 pièces de Floki pour être éligible. Avec un Floki qui s'évaluait autour de 0,30125, cela fait $50 pour ces 400 000 pièces de Floki à l'heure de cette publication. Alors, deuxième condition, Binance effectuera le largage aérien sur la base instantanée qui sera pris le 29 août 2024 à 23h59 UTC. 3 900 milliards de jetons 4 seront distribués aux détenteurs de Floki qualifiés sur Binance. Condition 4. Le largage aérien sera distribué proportionnellement aux avoirs en Floki d'un utilisateur sur Binance. En d'autres termes, à condition que vous déteniez 400 000 pièces de Floki, vous détenez 400 000 pièces de Floki, détenir davantage de Floki augmentera la quantité de cartes que vous pourrez recevoir pour ce airdrop. Alors, le ratio, comment est-ce que ça va se passer? On dit qu'il y a 900
milliard de cartes, voilà, qui sera distribué. Voilà, il faut avoir un minimum, comme on l'a dit. C'est un ratio de 1 pour 1. Alors, je vais voilà, entourer cette partie ici. Un ratio de 1 floki pour 1 4 points. Voilà, voilà ce qui va se passer. Alors, je précise que ce n'est pas le même 4 points dont on a déjà parlé ça dans la vidéo. Ça, c'est un autre 4 qu'on appelle Simon 4. Voilà que vous le sachiez pour ne pas paniquer pour aller faire autre chose. Si le montant total de tokens répondant aux critères sur Binance, voilà, est 1,8 billion de tokens Floki, Binance effectuera un airdrop à un ratio de 0,54 pour un Floki. Voilà aussi une autre condition aussi qui peut être prise en compte. Voilà, donc d'autres détails, voilà, voilà, pourront être donnés avant le largage. Mais l'un dans l'autre, voilà un peu comment ce largage va se produire sur Binance, donc pour les détenteurs de Floki uniquement. Et avoir aussi un minimum de 400 000 pièces de Floki pour pouvoir prétendre être dans ce, comment on appelle, pour être, on va dire, éligible à ce airdrop. Autre information, alors il s'agit de, voilà, de Dubaï cette fois-ci. Dubaï reconnaît désormais le paiement des salaires en crypto-monnaie. Alors, c'est un problème de salaire qui a envoyé, voilà, ce résultat. Alors, comprenez que, voilà, le tribunal, voilà, à Dubaï a validé, alors, le paiement d'une partie du salaire, voilà, d'un employé, voilà, en crypto-monnaie. Et comment cela s'est produit? Alors, il s'agit d'une entreprise qui a été condamnée à verser, alors, voilà, à un employé, voilà, par rapport à des impayés de salaire, alors, des crypto-monnaies, voilà, une partie de ses avoirs en crypto-monnaie. Et donc, du coup, pour ces impayés-là, alors, il a été décidé par le tribunal qu'on lui verse 62 867 dirhams, voilà, à ce salarié. Ensuite, 17 000 $ et une autre partie en crypto-monnaie, voilà, exactement 39 200 EcoWatt, c'est une crypto-monnaie, voilà, et basée sur l'écologie. Et donc, EcoWatt, voilà, ils doivent, voilà, verser cette quantité en crypto-monnaie. Et donc, voilà un peu ce qui est dit dans, voilà, dans tout ce qui est, voilà, mentionné ici. C'est l'essentiel de ce qui a été décidé par le tribunal au niveau de Dubaï. Et donc, ce salarié va recevoir une partie de son salaire en crypto-monnaie. Et cela aussi, alors, ça va être un précédent, voilà, un précédent dans les différentes activités au niveau de Dubaï. Alors, ce qui veut dire que, alors, les salaires peuvent être reçus aussi en crypto-monnaie à Dubaï. Alors, parce que cela laisse un précédent, voilà, dans la jurisprudence là-bas. Alors, l'un dans l'autre, il faut comprendre là que c'est une adoption des crypto-monnaies qui se généralise au niveau des institutions, voilà, et voilà, et des gouvernements et tout ça. Et donc, c'est quelque chose de notable. Il fallait que, voilà, on ressorte cette information pour interpeller les uns et les autres pour dire que le monde est en train de migrer résolument vers les crypto-monnaies. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour la prochaine édition des formations, c'est au niveau du Burkina, c'est prévu le 30 et le 31 août prochain. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Alassane du côté de Ouagadougou. Après, là-bas, nous revenons en Côte d'Ivoire. La formation du côté ivoirien, c'est prévu à Abidjan. Et la formation d'Abidjan, la 12e édition cette fois-ci, c'est prévu le 2 novembre prochain. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Sachez toujours que la chance accordée toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.